Pour une fête réussie, sans nuire à l'environnement, il faut quoi? Des confettis, je les fabrique moi-même en recyclant les pubs. Il faut des ballons. Notez bien que chaque ballon est rempli de gaz carbonique. C'est toujours ça de moins dans l'atmosphère. Pas de musique qui consomme de l'électricité, mais une ambiance zen, doux bruit de cascade. Une lumière tamisée, je choisis une ampoule qui consomme peu, celle du frigo par exemple. La carte d'invitation, c'est un œuf frais. Je choisis le jour de la fête en fonction de la date de péremption. Ainsi, j'économise de l'encre. J'ajoute juste « va te faire cuire un œuf ». Il ne vous manque plus qu'un nid de clown pour pimenter votre fête. Comme moi, faites un geste utile pour la planète.